et Montpellier a été pour moi une excellente expérience. C'est d'ailleurs à Montpellier que j'ai rencontré la personne qui m'a donné l'opportunité de venir au Canada. Et alors, est-ce que vous êtes venu au Canada tout de suite après votre éducation? Oui, en France à l'époque, il y avait encore, il fallait faire son service militaire. Et parce que je poursuivais les études scientifiques, j'avais pu bénéficier d'un sursis jusqu'à 27 ans. Seulement à 27 ans, il fallait que je fasse mon service militaire. Il y avait deux options, aller en caserne ou essayer de demander d'aller à la coopération. Étant marié avec un enfant, passer mon temps en caserne, ça m'intéressait absolument pas. Et justement, le Canadien que j'avais rencontré, qui se trouvait en année sabbatique à l'université, qui a fait aussi partie de mon jury de thèse, m'avait dit quand il est parti, si tu veux venir au Canada, laisse-moi savoir et puis on verra ce qu'on peut faire. Et pour moi, c'est un rêve d'enfant. Parce que j'avais 5 ans la première fois que j'ai dit à mes parents, si j'ai la chance d'aller au Canada, j'y vais. Pourquoi le Canada? Pas demander à un enfant de 5 ans. Peut-être les grands espaces, j'ai dû voir quelque chose à la télé, quelque chose comme ça. La géologie, Canada, c'est Ben, intéressant à pour ça, l'époque, mais... il ne faut pas considérer à 5 ans, il ne Non, faut pas c'est que la vrai. géologie soit quelque chose qui est un facteur déterminant. Quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme, pareil, je lui ai dit que si j'avais la chance d'aller au Canada, j'irais au Canada. Bien sûr, elle ne me croyait pas. Mais bon, forcé que. On a fait une demande auprès, après mon doctorat, on a fait une demande auprès du Conseil national, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Et j'ai obtenu une bourse postdoctorale, une bourse qui était valable pour 2 ans et 3 mois. Et c'est comme ça que je suis venu au Canada. OK.